Salut à tous, c'est Foxy, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui après 2 gros mois d'absence. Et ouais, j'avais décidé d'arrêter les vidéos sur YouTube. D'un côté parce que ça prenait énormément de temps, puis que ça allait être les vacances et que j'avais pas trop envie de prendre du... J'avais plutôt envie de prendre du temps pour moi, et puis j'ai énormément ragé sur Call of Duty, donc du coup j'avais plus de gameplay à vous proposer, donc j'avais décidé de faire une grande pause qui m'a énormément fait du bien. Alors voilà, ça fait quelques temps que je me suis remis à jouer un petit peu, et petit à petit je me remets à jouer, et je suis de retour là pour vous faire des vidéos, vous présenter du contenu. Donc maintenant ce sera plus que du BO2, mais je vous mettrai du MW3, du BO2 et du Crysis 3 sûrement. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir que je revienne. Je vous parlais directement du gameplay. Donc c'est un gameplay que j'ai réalisé, ben justement, le jour où je me suis décidé à rejouer à Call of, je me suis parti sur MW3. Et il faut savoir que quand je jouais à MW3, j'avais jamais mis de moab. Et là, ben, j'ai allumé la play un matin et ouais, je sais pas, je lance une partie en MME en plus. Et je sais pas, je jouais normal, j'étais pas trop réveillé en plus. Et là, enfin, vous verrez. Qu'est-ce qui va se passer, si je vais avoir la mob ou pas, et... Enfin, je vais vous le dire, je l'ai eu la mob, et en plus c'est la première que j'ai eu mob sur MW3. Donc voilà, dès que je l'ai eu, j'ai dit celle-là, il faut que je la présente à mes abonnés, et ça m'a remotivé pour vous faire des vidéos YouTube, enfin, vous représenter des vidéos sur YouTube et tout. Ça m'a remotivé, et j'ai dit que j'allais recommencer. Et donc voilà, maintenant je vous fais ce commentary, le premier. Je sais que pour certains c'est la rentrée, bon pas pour moi parce que bon ben moi je vais plus en cours et tout ça. Mais pour certains c'est la rentrée, donc voilà. Avec la rentrée, ben, on reprend les vidéos. Voilà, comme rien de plus normal. Donc j'ai plusieurs sujets à aborder avec vous dans cette vidéo. Déjà, ben, mon retour. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant sur ma chaîne? Donc je vais reprendre le concept des gagner des mêlées générales au secondaire. Donc là, la prochaine édition, ce sera au 5-7. Je suis en train de le monter petit à petit pour avoir des accessoires du style chargeur rapide et canon long, des trucs comme ça, je sais pas encore. Donc ensuite je vais aussi faire débloquer un groupe de chasse avec d'autres armes. Donc on m'avait proposé le B23, je vais l'essayer, mais bon, faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et donc ben, vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ben, j'ai perdu pas mal de niveaux, donc il faut le temps que je le reprenne et que je rejoue un team et tout ça. Pour pouvoir faire ça quand même, parce que débloquer un groupe de chasse au B23, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et donc après, je sais pas avec quelle arme je vous le mettrai. Pour le moment, j'en ai pas redébloqué depuis que je joue, donc je sais pas du tout avec quelle arme je vous le mettrai. Ensuite, je vais sûrement faire un petit peu de zombie, parce que là, je joue en zombie en ce moment-là, notamment sur Mob of the Dead. Et sur... Je sais pas comment elle s'appelle, la toute dernière map là qui est sortie sur le DLC Vengeance. Honnêtement, je sais plus le nom, je regarderai, je le mettrai dans la description au pire. Et donc je vais faire sûrement une vidéo là-dessus. Donc après, je voulais vous poser quelques questions. Donc si vous avez des défis à me faire faire sur MW3, pas trop dur, parce que je suis pas du tout MPGM sur MW3, même sur BO2, je suis pas MPGM des mobs et des nucléaires. Donc voilà, j'ai encore une autre mob que j'ai mis, parce qu'il faut savoir que ouais, j'ai fait ma première mob sur cette vidéo là justement en MME. En plus, c'est pas un truc trop facile. Puis en plus, vous voyez, je campe pas trop, j'essaye de conserver quand même la même zone tout le temps, mais je reste pas statique non plus. Donc voilà, donc moi je l'ai trouvé qu'elle était belle pour une mob en MME quand même. Et donc voilà, je vous la présente. Si ça vous plaît, j'espère que ça vous plaira quand même. Si ça vous plaît pas, ben, désolé, dites-moi ce qui va pas. J'en ai une autre mob en EC à la CM901 que je pourrais vous présenter si vous voulez. Et aussi, ouais, n'hésitez pas à me donner des défis pour que je puisse réussir à sortir des gameplays qui vous plaisent et qui soient bien jolis à regarder. Donc voilà, là j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Ouais. Donc aussi, je vais vous dire une autre information qui va être vraiment importante dans cette vidéo. Cette vidéo, elle sert un petit peu pour cette information aussi en plus. Donc voilà, avec Play for Win, Inrelax, et enfin, tous les gens de la Oxylane d'avant, l'ancienne team que j'ai eu, parce que oui, aussi il faut dire qu'on a arrêté le DE, ben, au début des vacances.
Donc voilà, on a arrêté le DE et là on a créé, comment dire, c'est pas une team mais plutôt un clan, donc un clan qui est sur Elite et tout ça. Et on recrute, hein, voilà, on recrute pour faire les opérations de clan et tout ça. Il y a une chaîne, il y aura plus tard une chaîne YouTube. Pour le moment, il y a juste une page Facebook, un clan Elite et un Twitter qu'on fait pour communiquer les clans, les opérations de clan qu'il y a à faire et tout ça. Donc voilà, ça vient de se créer il n'y a pas longtemps, on va monter les niveaux et tout ça. En sachant que voilà, c'est pour passer du temps entre nous pour s'amuser, voilà. Donc il suffit juste de m'envoyer une requête d'amis sur le PSN ou un message privé sur YouTube. Donc voilà, maintenant là j'ai fait le tri dans mes amis, tous les gens qui se connectaient pas depuis très longtemps et tout, là en reprenant la play, j'ai fait le tri dans mes amis. Et donc n'hésitez pas à m'ajouter un ami. Bon voilà, je sais plus combien de places il me reste, mais puis même si j'en ai vraiment pas assez, je recrée un compte juste pour les abonnés. Donc là au passage on va arriver à la fin de la vidéo. Donc là vous voyez que je débloque la MOAB et là j'ai la lance, mais c'est même pas moi qui fais le dernier kill. Donc voilà, de toute façon je pense vous faire est-ce que des live commentaries ça vous intéresse? Donc je sais pas, je balance une partie de mêlée générale et je fais un live commentary. Donc j'ai pas. Donc si ça vous intéresse, ben, il n'y a pas de souci, je vous ferai ça et je vous refais une vidéo très très vite pour vous parler d'autres sujets et de. Et enfin, vous verrez bien. Allez, ciao les gars, à très bientôt.